toute déclaration là, il te dit hier dans match et matin levé avec nous une déclaration Maradona sous ça. Argentine Lionel Messi sous pression après deux matchs nuls 0-0 en Uruguay 1-1 face à Venezuela. Par dernier jour, Argentine qui classé actuellement 5e dans groupe zone Amérique du Sud. Eh bien, donc barragiste provisoire, de façon pour enchaîner critique dans le pays, notamment Diego Maradona, qui très remonté envers choix sélectionneur argentin Jorge Sampaoli. Qui ça Maradona dit? Moi-même, je ne pas contre les déclarations. Les moi qui Argentine aujourd'hui, hein, moi peu non capacité. Il y a des meilleurs joueurs que Mounsao Sampaoli et il est. S'il veut faire Icardi ou Batistuta, il est loin pour le ça. Higuain, lui et Wilcon raté. Pas de monde qui n'a pas raté. Il a peut-être raté des occasions importantes pendant des matchs décisifs pour gagner un titre. Mais nous pas capable de retirer les kilos pour mettre un joueur qui aucun monde pas connaît et la place ni ces déclarations et les gars d'accord Diego Maradona et qui lui-même et en parole qui rapportait par Abola n'a pas appelé et Argentine 5e dans zone là effectivement lui parler pour lui dire et que et si et le Sampaoli voulait faire il t'a dit Batistuta il t'a dit loin pour ça. Et c'est vrai, et on a eu Higuain qu'on a raté, mais des goals importants dans des moments décisifs pour capable de faire titre, mais on n'a pas choisi de tirer une équipe là pour le monde qui n'a pas connaît, Maradona qui lui-même tape pas. Deux dernières journées en Amérique du Sud, mais qui s'est réservé. Le 5 octobre prochain, l'Argentine. Bolivie pour se voir Brésil, Venezuela, Uruguay, Chili, Équateur, Pral Gagnon et Argentine, Pérou. D'abord, Argentine, Pérou. Actuellement, Pérou est 4e dans la zone Amérique du Sud, là, devant Argentine avec 24 points. Argentine a 24 points tout, mais Pérou a un meilleur rôle avec Jesus et tout. Et là, équipe à Pérou vient le 4e. Match nul, toutes les équipes à prendre un point. Si l'autre équipe qui est devant, l'autre équipe qui est devant le gagne, Argentine a toujours des Pérou. Actuellement Pérou 4e. Une victoire Pérou vient à balle 27 points. Et qui a automatiquement tout prêt battre pour aller la Russie. Une victoire à l'Argentine à balle 27 points. L'Argentine va jouer face à l'équipe qui est devant le 5 octobre, qui c'est Pérou. Et avant dernière journée. L'autre match qui a gagné, qui va surtout suivre, Brésil et Brésil-Bolivien, pas quelle importance. Pas quelle importance. Et Venezuela et Uruguay. Uruguay, deuxième, avec 27 points. Il va jouer à sa équipe en dernière position, Venezuela, qui a 8 points. Et il y a un match qui t'a donné, et côté Uruguay, t'as deux parties favoris. Dans la situation côté Uruguay bat Venezuela, la passe à 3 points, par contre 4 personnes. Et il a qualifié tout, eh ben, et dans le cas Venezuela a battu Uruguay, Venezuela a fait 11 points, mais Uruguay a fait 27 points, et l'équipe de Colombie a pris deux vols, mais Argentine et Pérou a exécuté. Et Uruguay Venezuela pour le 5 octobre. L'autre affiche qui va gagner le 5 octobre, c'est et pral, et surtout match Cap Mété, équipe chilienne face à l'Équateur. Chili-Équateur, Chili actuellement, le 6e. Même pas là, Chili pas joué. On n'est pas étonné, nous, c'est d'avoir Chili avec Argentine dans la Coupe du Monde là. Si on est capable de couvrir le venir, on fait deux victoires. Le match qu'il a. Chili va jouer à l'Équateur. L'Équateur a 20 points. Puis plus pour l'Équateur qu'a fait, c'est 26 points. Parce qu'à 20 points et deux journées, Chili a 23 points. Chili a besoin de victoire pour mettre la 26 points. Et automatiquement à 26 points, Chili a réintégré top 4 classement dans la mesure où l'équipe et Pérou et Argentine gagnent un vainqueur. Dans Pérou avec Argentine, depuis gagnent un vainqueur, une victoire Chili sur l'Équateur a réintégré et Chili dans top 4 là carrément. Chili a pris 26 points et là, il va dépendre des résultats Colombie. Si la Colombie, qui lui-même a gagné pour jouer le 5 octobre, face à Paraguay, il y a un match nul Colombie. Avant de faire Colombie, il y a 27 points. Il y a une victoire Argentine ou bien Pérou avec 27 points. Uruguay, si on a défait face à Venezuela, il y a 27 points. Il y a compliqué net et Chili avec 26 points.
yon victwa ekip nan ekip kote Paraguay li pa jwe avèk Kolombiyan. Ben, padan Paraguay avèk Kolombiyan, victwa de l'ekip Kolombiyan, la vire bagay yo. Kolombiyan vin pas a 29 poin, e kelke son ekip ki den yo, met fè victwa yo pap jwen ni, e sil genye yo pap vin vire klasman nan men Kolombiyan, ki deja gen 26 poin sil bat Paraguay, la pa vin genye, et la vin genye 29 poin. Men atensyon, ekip Paraguayen nan, li menm, li genye 21 poin. Paraguay kapab fè jiska 27 poin nan klasman. E Paraguay nan denye jounè, le 10 oktob, Paraguay pab liye pral jwe a Kolombi. Sa ve di, nan, si Kolombi pata genye, Kolombi ta fè match nul, e Paraguay ta bat le 5 oktob, Paraguay avin pas a 24 poin, e la vini kapab gen 27 poin, pasi la jwa Kolombi nan denye jounè. Nan denye jounè, le 10 oktob, Argentine, la jwa Ekwater, si nou gade Ekwater ka 20 poin, si Ekwater bat le 5 oktob, la bal espèron victwa, le 10 oktob goul kapab pase a 26 poin de sa, e sa bal depan de rezultat Argentine te fe le 5 oktob, Argentine toujou gen destin, men, e aktyèman le barajis, men pab yon ekip takou Chili, li an 6e posisyon, e 2 adverse Chili rete yo, e se Brésil, le 10 oktob, e Chili, li le 5 oktob, la bien pou jwe Ekwater. Argentine, li mèm, li rete Pérou ki 4e, Argentine 5e, se basè palon final, e sou, e bon nan mat sa, Argentine te gen okasyon pou te prene la, jpa sa ekip ka denè posisyon an Venezuela, pa fè sa, e ben, Argentine, pou al jwe avèk ka Pérou, nan le 5 oktob, e nan denye jounè an, Argentine, la genye pou jwe ak Ekwater. Voilà, pou je situasyon aktyèman Argentine 5e, e li baraji, se ki pa mèm nan baraji, se Chili. Brésil 37 poin, Uruguay 27 poin 2e, Colombi gen 26 poin 3e, 24 poin pou 4e, Mexico ak Argentine ki 5e, 23 poin pou Chili, an 6e posisyon. Nap fini e avèk nouvel sou tenis, se pou nou pale de US Open nan, ki li mèm a pa jwè, e ben nan tenis, e genyen un match qui était joué côté Bragan en première demi pour Anderson tombé de Sam Querrey mais en 4 matchs et en plus de 3h30 minutes de jeu 7-6 tiebreak 7-7 6-7 tiebreak 6-9 6-3 7-6 tiebreak 7-7 non match qui est lui-même fini jusqu'à 2h du matin à New York. Kevin Anderson est joué une première demi-finale de Stem dans carrière hier soir sud-africain 31 ans côté meilleur résultat en majeur c'était jusqu'alors un quart de finale à US Open en 2015, li pral jwe pou yon plas nan final a Pablo Carreño Busta ki pat kite chapè mwen de 7 debi e 15 sa. Voilà pou Anderson ki e pral jwe demi-final. Merci un pile la question là vous toute info ça sur le plan international là c'est là n'a pas vous fermez pour mieux sortir qu'un sportif là on y voit c'est bral là pour 2h30 avec deux mondes pour deuxième sortie et puis à 8h pour Bigou chose pas passer dans le pays ciao bonne journée.